sur les harmoniques de l'amour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 20 oracles mass market préférés. Donc, je vous ai fait une vidéo en réponse à Miss Florence avec mes 10 tarots mass market préférés. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi les oracles, en fait? Donc, jusqu'à présent, en tout cas, Miss Florence n'a pas posté pour les oracles, au moment, en tout cas, où je filme cette vidéo. Mais bon, je suis en train d'en filmer un peu à l'avance, donc peut-être que d'ici là, elle aura publié, je ne peux pas vous dire, évidemment. Je ne sais pas. Et puis, j'ai regardé, puis je me suis dit, mais en fait, dans les oracles, je vais en trouver beaucoup plus parce que je trouve que dans les tarots, un tarot ça reste un tarot avec son système de tarot, et donc il y en a peut-être un peu moins qui se démarquent, on va dire, alors que dans les oracles ça peut être tellement différent en fait, que ben, j'en ai trouvé au moins 20. Et 20, c'était bien. Je veux dire, 10, je n'arrivais pas à choisir. Et puis 20, c'était vraiment bien. Et oui, bien sûr, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. Je ne vous dis pas ça. Mais finalement, 20, c'était bien. Pour vous présenter mes préférés, bien sûr, encore une fois, c'est du moment. Parce que je peux très bien d'abord en racheter bientôt un autre qui me fera changer d'avis. Ou parce que bah, dans quelques temps, je vais renouer avec un autre jeu. Je vais me dire, oh, il est quand même vraiment bien celui-là. Voilà. Donc, ce sont mes 20 oracles mass market préférés du moment. Et je vous ai choisi des choses assez différentes parce que justement, c'est ce que j'aime, moi. Si vous avez suivi ma chaîne depuis déjà un petit moment, vous saurez que j'ai des jeux très 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 différents dans ma collection. Et donc, vous allez en avoir un petit florilège. Et je vais commencer directement avec Murmure de la nature d'Angela Harfield et illustré par Josephine Wall. Bien sûr, j'ai les autres de la collection. Je n'ai pas encore celui de la gratitude, mais je ne manquerai pas de me le procurer parce que il est sur ma liste. Voici le dos. L'étrange doré. Il doit être chez Exergue. Non, Vega. Et voilà. Pourquoi préférer? Ben parce que les illustrations sont sublimes. Parce que la qualité est très bonne. Parce que c'est bien fait. On a un mot-clé ou une petite phrase-clé. Parce que le petit livret permet d'aller plus loin, mais sans se prendre la tête, et parce que les messages sont toujours vus d'une façon, on va dire, positive. C'est pas pour ça que ça dit que tout est beau, que tout est acceptable. Bien sûr que non. Qu'on doit se laisser faire de tout. Hein. Mais ça peut justement vous donner une vision qui peut être intéressante et une façon justement de ne pas tout accepter de ce monde. Voilà, donc Murmure de la nature. Alors, dans un autre style, et pour lequel j'ai fait un choix aussi parce que il en existe plusieurs du même type. Bon, je vais quand même essayer de ne pas abîmer mes cartes. C'est Le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et de Colette Baron Red, illustré par Jenna Della Crotaglia. Et donc, Le rêve du chaman, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que je pense que celui-ci est quand même vraiment mon préféré. J'aime beaucoup les autres aussi, mais c'est mon préféré.
Donc, avec un petit livret, mais déjà épais, avec encore une fois le titre, quelques mots-clés et puis un développement. Et voilà, c'est bien fait, c'est clair, c'est concis, c'est rapide, mais c'est bien fait. Regardez, le coffret est très bien fait. On a même, nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Voilà, vous voyez, le coffret, il est même illustré parce que celui-là, il est quand même relativement récent. Il est aussi chez Vega. Il est plus récent que Murmures de la Nature. Regardez, il date de 2021. Et c'est, je pense, dans la série de Colette Baron Red, je pense que c'est mon préféré. Mais j'aime aussi les autres. C'est pas. Voilà. Mais j'ai, je pense, une petite préférence pour celui-ci. Voilà. Donc, un beau jeu, encore une fois, surtout de développement personnel, guidance et développement spirituel. Même si ça peut faire un petit peu du divinatoire. Mais. Vous savez que selon moi, encore une fois, c'est que moi, la voyance et la guidance sont très proches. Voici le dos que je trouve somptueux. Alors, un autre jeu qu'on ne voit pas beaucoup passer, et je trouve que c'est dommage, parce que moi je le trouve très 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 beau, c'est Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin, qui a été illustré par Claude Maguet et qui nous emmène dans un monde tout à fait féerique. Vous voyez, le coffret, encore une fois, est très joli avec une petite citation. L'âme est une flamme faite d'ombre et de lumière qui implore sans cesse et réclame quelques bouffées d'air. Avec un très beau livre. Donc, il est chez Exergue, celui-ci. Assez épais, comme vous voyez. Il est en couleur. Avec les cartons grands. Regardez-moi comme c'est joli. On a comme une espèce de poème à chaque fois. Et puis, on a chaque fois, la légende raconte que, puisque le jeu vous emmène dans la légende Fantasia, si vous voulez. Et puis, nous avons le message de la carte. Et vous pouvez, si vous avez les chemins de l'éveil du même auteur, pas du même illustrateur, Dylan Collin, moi je ne l'ai pas. Je pense qu'un jour, peut-être, je l'achèterai. Mais pour le moment, je ne l'ai pas. Vous pouvez associer les deux jeux. Et ça vous donne chaque fois une carte correspondante. Voilà, dans l'autre jeu, pour toutes les cartes. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment, mais on ne le voit pas beaucoup, et pourtant, je le trouve magnifique. Vous voyez, à la fin, on a encore tout un poème, et on a les remerciements. Qui sont très longs. Donc, de l'auteur et de l'illustrateur. Et puis, on a à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur. Voilà. Vous voyez, il est très bien fait avec des petites citations. Le livre a une couverture comme ça en papier un peu légèrement glacé, comme ça. Le coffret est très joli, la couleur. Et je vais vous montrer les cartes que moi je trouve magnifiques. Mais vraiment. J'ai totalement craqué sur ce jeu. Alors, un peu moins sur le dos, parce qu'il y a le nom. Mais bon, ça passe encore, parce qu'il ne fait pas mis Oracle, Fantasia ou machin. C'est juste Fantasia, c'est juste un nom. Donc, c'est déjà, ça passe déjà mieux auprès de moi. Mais bon, sans le mot, ça aurait été encore mieux, vous voyez. Ça aurait été vraiment bien.
Donc les cartes sont de bonne qualité, épaisses et légèrement brillantes. J'espère que ça ne va pas gêner avec la lampe. Non, ça n'a pas l'air. Donc, et regardez-moi ces illustrations. Je les trouve magnifiques. L'enchanteur qui me fait évidemment penser à Merlin. Comment est-ce que ça pourrait ne pas me faire penser à Merlin? Les deux l'habitation, mi-ange, mi-sorcière, la mère éléphante, féminin sacré, un vieil an, seul au monde, la tempête, le chant de la sirène. Moi, je le trouve magnifique, ce jeu. Magnifique. Vraiment. Regardez, l'âme du piano. Magnifique, vraiment. Réellement magnifique. Ensuite, un autre que je vous ai déjà montré assez souvent, parce que ben, oui, c'est vraiment des oracles qui me plaisent bien. C'est les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. J'ai aussi le voyageur sacré que j'aime tout autant. Voici le dos. Donc il est chez Exergue. Le dos que je trouve sublime. Et puis voici les cartes avec le titre et un petit message directement. J'aime beaucoup les coloris. Je trouve que c'est des jeux très doux. Ça, pour le coup, c'est vraiment des jeux de guidance. Même si, encore une fois, bah, la guidance, c'est un petit peu de la divination. Hein. Mais, voilà, ça vous conseille. Ça ne vous dit pas, c'est ça qui va arriver, rien d'autre. De toute façon, je me souviens, moi, que j'ai comment est-ce que je vais dire, vous savez, je vous ai déjà raconté que moi il y a des années de ça on m'aurait dit que j'allais tirer des cartes, j'aurais bien rigolé parce que j'aurais dit mais non mais c'était bêtise tout ça, c'est de la connerie. Et en fait et puis bah vous savez pourquoi hein, j'en suis venue à la cartomancie hein, je vous l'ai assez raconté. Et en fait, ce qui m'a réconciliée avec ce côté un petit peu, on va dire, guidance divinatoire, c'est quelque chose que notamment Claire de la Lune expliquait. Et elle disait qu'à notre époque, on ne peut plus faire vraiment du purement divinatoire parce que les énergies sont trop rapides, les choses changent trop vite. Les vies des gens changent trop vite, ça tout le monde le constate, même les gens en dehors du milieu spirituel, tout le monde vous dira que maintenant, en une vie, on vit par rapport à ce que nos grands-parents ont vécu, on en vit 3 ou 4 de vie. Et donc, ça va tellement plus vite, ça change tellement que la divination pure et dure, elle ne peut pas tomber totalement juste. Parce que on va changer trop rapidement notre vibration et donc ça change ce qui arrive. Et donc la guidance est beaucoup plus intéressante en se disant bon voilà, là c'est ce que je suis en train de me préparer. Est-ce que c'est de ça que j'ai envie? Ben, si c'est pas de ça que j'ai envie, je peux peut-être me diriger vers autre chose. J'ai ce choix de me diriger vers autre chose. Et c'est à ça que les cartes peuvent servir. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, illustré par Gilbert Williams, parce que c'est un jeu que je trouve magnifique, avec déjà l'intérieur de la boîte très joli. On a un pochon argenté, ça change un peu, pour une fois, on voit ça à l'envers, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a une carte de présentation, c'est chez Exergue. On a un livret d'accompagnement qui est très bien fait. Donc, c'est Lucy Cavendish, donc c'est très fourni. Vous voyez, c'est écrit assez petit. Il y a toute une introduction, il y a des méthodes de tirage.
Et puis, message des cartes, la carte en petit, en noir. Et vous voyez, vous avez quand même pas mal de textes. Et puis, un petit éclairage et néanmoins aussi des mots-clés pour une lecture rapide. Voilà. Et alors, je le trouve sublime, ce jeu. Je trouve que les illustrations sont tellement belles. Je pensais au départ que c'était pour certaines cartes des photos, mais c'est bel et bien des illustrations faites main par l'illustrateur. Voici le dos que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les coloris et j'aime beaucoup cette fleur de vie comme ça. Surtout là, elle est très très belle, je trouve. Et donc, voici les cartes. Donc, il y a des cartes à l'horizontale et des cartes à la verticale. Mais vous voyez, quand on vous dit que ça, c'est pas une photo, moi je suis admirative. Totalement admirative, même celle-ci. Hein. Oui, quand on regarde de plus près, on voit bien. Hein. Mais je suis admirative du travail de cet artiste. Réellement. Il y en a beaucoup en fait en mode paysage. Et donc voilà, je trouve que c'est un très 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 bon jeu, très très beau. Aussi bien au niveau des illustrations qu'au niveau des messages. Et puis la qualité, elle est très bonne. Hein. C'est suffisamment épais, mais ça reste souple. C'est légèrement brillant, donc c'est bien protégé. Ça glisse bien. Voilà. Un très, très, très beau jeu. Ensuite, un de mes chouchous que je pense que maintenant vous le savez, vous l'avez compris, c'est l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile et illustré par Sandrine Gestin aux éditions Grancher, avec un joli coffret en dur, avec encore une fois le coffret tout à fait décoré. Vous avez un énorme livre qui contient tout. C'est un oracle complet et d'ailleurs l'auteur l'explique au début avec son histoire et la création de l'oracle de Brocéliande. Elle dit que elle tirait les cartes et qu'elle a cherché longtemps son jeu idéal, qu'elle ne l'a pas trouvé et qu'elle a décidé de le créer et qu'elle a choisi Brocéliande et la légende arthurienne comme thème, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Et donc, elle vous parle de la composition de l'oracle, des conseils d'utilisation, de son fonctionnement. Elle vous donne des correspondances avec le tarot. Elle vous explique que ça peut servir à un support de méditation. Vous avez le message du jour, vous avez un outil de soin pour chaque carte. Hein. Donc vous avez les fleurs de Bac. Oui, voilà, ça c'est la liste des fleurs de Bac associées à chaque carte. Vous avez un outil de datation. Bon, ça, comme je vous ai dit, hein, ça je prends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul parce que je ne suis vraiment pas persuadée. Très franchement, je pense que les énergies sont beaucoup trop changeantes pour que ça puisse fonctionner. Mais bon, à chacun, c'est sa manière de voir les choses, hein, ça ne me gêne pas. Vous avez les signes du zodiaque. Alors, en fonction des caractéristiques physiques aussi. Voilà, et vous avez donc les cartes et les significations avec la carte en couleur. Et donc, je vous montre ce que ça donne, tous les renseignements. Donc, vous avez déjà des mots-clés. Vous avez le titre de la carte.
les mots-clés. Vous avez signe astrologique, la correspondance du tarot de Marseille. Vous avez une pierre, vous avez fleur de Bac, vous avez la numérologie. Vous avez la description de la carte, on va dire. Vous avez des questions à vous poser au niveau des obstacles. Qu'est-ce qui peut faire obstacle dans votre questionnement quand vous avez tiré la carte? Vous avez la clé, donc l'authenticité. Vous avez une interprétation générale. Vous avez la personnalité, donc si vous faites des tirages de personnalité. Vous avez au niveau du sentimental, vous avez au niveau du professionnel. Vous avez le signe astrologique, vous avez la correspondance du tarot, vous avez la lithothérapie, vous avez la fleur de Bac, vous avez des associations et vous avez encore une inspiration. Et ça, vous l'avez pour chaque carte. Donc, c'est un livre, un véritable livre, extrêmement complet, qu'on a la chance d'avoir dans le coffret, parce que c'est un livre qui vaut, vous savez, les livres qu'on vend à côté des oracles. Parfois, vous avez l'oracle et puis vous avez le livre, et là, vous avez les deux dans le coffret. Et vous avez encore des méthodes de tirage à la fin. Voilà. Et là, vous avez sous forme de tableau toutes les correspondances. Puis vous avez, pour aller plus loin, sur les thèmes abordés dans l'oracle. Et vous avez un petit mot sur l'illustratrice. Voilà. Donc, c'est un livre absolument complet et magnifique. Et donc, vous avez tout ça pour 29 euros. Alors, il y en a qui trouvent que les cartes sont trop fines. Elles sont fines, certes, mais elles sont d'une qualité telle que je pense qu'elles vont durer dans le temps. Déjà, c'est le genre de carte qui ne s'abîme pas au coin et aux bordures, ce qui est des fois le cas de jeux qui sont pourtant de très bonne qualité, mais où le choix de la protection de la carte, hein, des vernis, fait en sorte que après 3-4 fois, on voit déjà des traces d'usure. Alors qu'ici, ben, on ne les voit pas. Voici le dos. Et alors, encore une fois, eh bien, ces illustrations, moi, je suis admirative parce que, ben non, ce ne sont pas des photos. Et que quand vous le regardez comme ça de loin, moi, j'ai cru au départ, j'ai vraiment cru que c'était des photos. Et il me plaisait bien. Et puis, j'avais vu des présentations et où justement, les personnes qui présentaient disaient « Ce sont toutes des illustrations. » Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Alors là, il me le faut absolument, quoi. » Parce que là, moi, quand je voyais cette carte-là présentée, je dis « C'est pas possible, c'est une photo. » Non, c'est pas une photo. Mais c'est tellement bien fait. Tellement bien fait que voilà. Un très 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 bel oracle en mass market, vraiment un très 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 bel oracle. Moi franchement je n'en démords pas celui-là, vraiment. Ensuite, je vous en ai sorti plusieurs, mais que je compte pour un. C'est la collection Soul Shadow. C'est même les deux collections Soul Shadow. Bon, la première, je l'ai entièrement, mais je ne vous ai pas... Il y en a un qui est en haut et que je n'ai pas sorti. Et qui est donc la voyance cache de Joe. Mais je vous ai sorti ces trois-là. De la première série et puis de la deuxième série. À l'heure actuelle, je n'ai encore acheté que l'horoscope de Leïla, mais je voudrais acheter celui sur le sentimental et le fameux tarot.
Et l'autre, j'ai vu une présentation et ne m'attire pas du tout. C'est moins jeu oracle et je ne prendrai pas celui-là. Alors, vous avez l'oracle de Lucie, qui est un oracle un petit peu couteau suisse, hein, qui peut faire divinatoire et qui peut faire guidance. Il fait les deux. Alors, pourquoi est-ce que pour moi, ce sont parmi mes préférés en mass market? Déjà parce que ça coûte 12,99 euros, 12,99 euros. Donc, vous avez ça pour 13 euros. Bon, la boîte, c'est vrai qu'elle n'est pas, c'est pas une grosse boîte en dur, hein, elle est un peu souple, mais bon, ça va, hein, elles tiennent le coup, hein, comme vous pouvez voir. Il faut être très, très précautionneux pour les ouvrir, pour ne pas les déchirer. Mais après, vous voyez, ça tient pas mal, hein. Parce que celle-là de Lucie, je l'ai ouvert pas mal, hein. Je l'ai ouvert pas mal de fois. Alors la qualité, c'est la qualité Grimaud. Donc c'est chez Grimaud, hein. Et donc, c'est quasiment indestructible. Si vous vous en servez bien, les Grimaud, il y a des jeux qui ont 30, 40 ans et qui sont toujours là, hein. Vous avez les cartes démouclées. Donc il n'y a pas de livret. Tout est sur les cartes. Il y a des dos un peu vintage là. Année 70, 70, moi ça me plaît bien. Et puis vous avez des illustrations qui sont sympas. Il va droit au but. Il est très, enfin voilà, je l'aime bien parce que vous pouvez quand même trouver des indications dans les illustrations. Et vous avez les mots-clés. Et puis voilà, c'est sympa, c'est coloré, la qualité est excellente et eh bien, franchement, je trouve qu'ils font partie de mes tops dans les oracles mass market. Vraiment, ils sont à souligner, surtout pour le prix. Vraiment. Alors, vous avez le coaching de Charlie. Donc, pour lequel Yéna a imaginé trois séries de cartes. Et vous pouvez les utiliser ensemble ou en tirant une de chacune des catégories. Vous voyez? Et vous avez encore celle-là. Sauf que celle-là, elle devrait aller là. Celle-là, elle devrait aller là. Je pense que c'était mon dernier tirage. C'est pour ça qu'elle n'était pas remise dedans. Et donc, vous avez catégorie. État d'esprit, donc ça c'est la première catégorie. Vous avez le besoin et vous avez le conseil. Donc ça vous dit votre état d'esprit par rapport à la situation. Ça vous dit de quoi vous avez besoin et ça vous donne un conseil pour l'obtenir ou pour débloquer la situation. Et franchement, c'est nickel. Donc c'est plutôt un oracle de guidance, mais il peut aussi vraiment fonctionner plus même en développement, on va dire, personnel, spirituel. Vraiment. Très, très, très bien fait. Puis vous avez la divination selon Jack. Donc la qualité des cartes et des boîtes, elle est la même pour tous les oracles, hein. Donc je ne vous redis pas, ils sont tous chez Grimaud. Et là, vous avez le jeu de cartomancie et avec les mots-clés directement dessus. Et vous pouvez l'utiliser avec les mots-clés en regard. Je trouve que les coloris sont sympas. Ça change des coloris traditionnels. Et voilà, l'idée est très, très bonne. C'est très, très bien réalisé. Et donc, voilà, chapeau à Yéna d'avoir sorti ça et chapeau à Grimaud de nous avoir fait des petites merveilles à ce prix-là et de cette qualité-là. Vraiment, 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 vraiment. Et donc de la deuxième série, hein, je n'ai que l'horoscope de Leïla qui est donc basé sur les signes astrologiques puis les planètes. Je n'ai pas encore utilisé celui-là parce qu'il y a un peu de temps que je l'ai. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, on a tous les signes astrologiques, on a les planètes, on a les maisons,
On a les éléments, les saisons et les phases de la lune. Et c'est pour, comme elle le dit, apprendre l'astrologie en douceur. Je trouve que les illustrations sont jolies. C'est original de l'avoir fait sur un thème un peu oriental. Moi, il se mariera avec plusieurs de mes oracles. Et voilà, j'avais envie d'avoir celui-là. Puis je vous dis, il y a encore, je voudrais le tarot de Django et les amours de Marlowe, tant qu'à faire. Parce que je sais que ce sont des petits jeux qui vont durer dans le temps, aussi bien au niveau de la qualité, je pense, que de leur structure, de leur composition. Ça ne va pas se démoder. Ils sont tellement bien faits que ça va bien durer. Bon, j'accélère un peu parce que j'arrive à la fin en deux parties, mais je suis quand même déjà à 31 minutes. Alors, l'oracle, l'énergie de la mer de Tinka et Emmanuel Igé, illustré par Jolan Jli. Avec un joli pochon bleu ciel qui va avec la mer. Alors, un petit livre d'accompagnement très bien fait. Il y a quand même Emmanuel Igé qui a participé, donc voilà. Ça dit tout de la qualité de ce jeu. Vous avez, il est très compact encore une fois, mais il y a tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Choisir ton tirage, vous voyez, c'est très compact, mais il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Vous avez côté cœur, côté travail, positif, négatif, conseil. Vous avez la description. Il est en couleur. Vous avez la carte en couleur. Voilà. Tout fin, pour le coup. Mais il a tout ce qu'il faut. Voilà. Il est magnifique. Les tranches sont neutres. Oui, encore une fois là. Alors, on a deux séries de cartes. Je vais juste rechercher. Il est en fait aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. Voilà, je voulais juste rechercher ça. Et donc, voici le dos que j'aime beaucoup. Enfin, les dos. Et voici les illustrations. Et c'est encore un jeu un petit peu couteau suisse parce que vous pouvez faire de la divination avec. Et donc de la guidance, mais vous pouvez franchement y aller aussi sur le développement personnel spirituel. Et puis bah, vous connaissez mon amour pour les jeux sur le thème de la mer. Et donc bah, fatalement pour moi c'est un de mes préférés. Mais réellement, et la qualité est bonne. Et donc, même pour. Voilà. Maintenant, si vous détestez la mer, ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous. Mais même si la mer, ce n'est pas votre must absolu, eh bien, il peut très très bien vous convenir quand même. Alors, allez, j'en ai encore deux pour cette série. C'est S'ouvrir à l'énergie des arbres, au courrier du livre, de Sylvie Moiroux et illustré par Jennifer Lefebvre. J'avais littéralement craqué pour ce jeu en voyant quelques cartes avant sa sortie officielle. Je l'ai acheté à quelqu'un qui le revendait, qui l'avait déjà. Voilà. Je ne sais pas comment la personne l'avait vu avant. Mais bon, il y a des personnes qui les ont en avant-première pour diverses raisons, je pense. Le livre est très bien fait. Vous avez la carte en couleur. Vous avez le message de l'arbre et vous avez les propriétés thérapeutiques. Et puis vous avez un exercice et une recette. Et ça pour chaque carte. Et dans l'introduction, elle vous parle de la sylvothérapie et de ses bienfaits. Elle vous explique comment utiliser les cartes. Voilà. C'est intéressant puisque ce n'est pas un jeu uniquement de guidance ou divinatoire, mais il fonctionne très bien. Et pour ceux qui regardent quasiment toutes mes vidéos, vous verrez que j'ai déjà eu des synchronicités avec ce jeu qui sont assez hallucinantes. Hein. Du genre, je parle de la vérité et passe à ce moment-là la carte avec le mot-clé vérité.
C'est assez hallucinant. J'adore le dos. Je le trouve magnifique. Et j'avais vu quelques illustrations. Il m'a pas fallu 2 secondes pour cliquer sur acheter. Tellement je le trouve magnifique. Somptueux. Vraiment. Somptueux. Et vous avez le nom de l'arbre et vous avez des mots-clés. Et donc, c'est juste. Voilà. Il a tout. Il a tout. Un très, 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 très bon jeu mass market. Vraiment. Et en plus, il a des tranches un peu bronze, un peu foncé. Ce qui change du doré ou marron un peu. Je ne sais pas trop comment définir la nuance, mais il est juste. Voilà. Il est somptueux, ce jeu. Hop, je fais tout bouger. Et il est au prix de. Parce que bon, moi, en plus, je n'ai même pas payé son prix. Il est au prix de 27 euros. Et le dernier pour cette partie, c'est l'oracle des émotions de Myriam Le Saint, toujours aux éditions Grancher, comme l'oracle de Procellion. Alors celui-là aussi, je l'avais vu présenté. Donc il s'ouvre comme ça, celui-là, par contre. J'aime bien ces boîtes-là, c'est pratique. Vous avez un beau livre, encore une fois. Je l'avais vu passer ce jeu. J'ai mis un peu de temps à l'acheter, mais je savais qu'il finirait par me rejoindre. Et il est fantastique. Voilà, vous avez une introduction, vous avez les différents tirages. Voilà, donc des propositions de tirage. Et vous avez la présentation des cartes. Donc vous avez la carte en couleur et en grand. Vous avez le titre, vous avez des mots-clés, vous avez l'humeur du jour, vous avez l'émotion en excès et vous avez l'émotion en manque. Et ça, pour toutes les cartes. Et je le trouve très joli au niveau des illustrations et très pertinent. Très, très pertinent. Alors, j'aime beaucoup le dos. La qualité, elles sont plus épaisses que celui de Brocéliande, mais sinon, c'est la même qualité de carte. Et le carton un peu plus épais. Et les illustrations, je trouve qu'il y en a qui sont d'une part très belles et d'autres bah, très originales aussi, très parlantes en fait. Vous voyez, la cola, on ne peut pas dire que la carte, elle est magnifique. Mais ça parle tellement bien. Vous voyez, ça parle vraiment bien. Celle-là, je la trouve très très belle. Par contre, ça, c'est pas nécessairement beau. Ça parle bien. Celle-là, je la trouve très très belle. Donc, voilà, les illustrations, elles sont pour moi soit très belles, soit extrêmement parlantes. Ça, on ne peut pas dire que c'est beau, mais on comprend tout de suite. Vous voyez? Et donc, c'est un oracle que je voulais depuis longtemps. Celle-là, c'est vraiment elle est très très belle, que j'ai mis du temps à acheter, mais que je ne regrette absolument pas. D'avoir acheté. Moi qui suis en permanence, de toute façon, plongée dans les émotions, c'était un jeu à côté duquel je ne pouvais pas ben passer fatalement. Voilà. Donc, bon, on en est à presque 40 minutes. Donc, c'était la première partie de mes 20 oracles préférés, mass market préférés. Du moment, hein, on va dire, pour le moment. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner également si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!